Bonjour, une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on est avec du Funko Pop Icon et on est avec la série American History. Alors, on a le numéro de boîte 9, 8, 10, 12 et 13. Alors, on a en 8, on a Rosie de Rifter, George Washington, Abraham Lincoln, l'oncle Sam et Benjamin Franklin. Alors, c'est dans les icônes, ils sont présentés dans la série Pop Icon, donc c'est pour l'histoire de l'Amérique. Donc, on a Rosie de Rifter, donc elle, voici la boîte, l'arrière, le petit dessin et le dessus de la boîte. Donc elle, c'est celle qui représentait la force américaine, la force féminine américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. Car les hommes étaient partis au combat et c'était les femmes qui étaient dans les usines. Et donc c'était elle, c'était pour inciter les femmes, entre autres, que les femmes étaient toujours fortes et qu'elles venaient... qu'elle pouvait venir travailler. Donc il y a plein de slogans comme on voit sur l'image là. Là c'est ça leur image. Donc voilà, elle a la machine à riveter, les bras bien musclés et le bandeau dans les cheveux, et elle est habillée en bleu de travail. Voilà. Ensuite on a George Washington. On a George Washington, voici la boîte, le petit dessin et le dessus de la boîte. Donc c'est le premier président américain. Premier président américain des États-Unis. Il est sur les billets aussi. Donc on le voit en tenue d'époque, malgré tout. C'était après leur indépendance, mais il avait quand même le look style anglais, donc l'uniforme, puisque c'était un soldat, les cheveux, le catogan, les épaulettes, il est vraiment sympa, j'aime bien. Ensuite, on a Abraham Lincoln, donc voici la boîte, le petit dessin, et le dessus de la boîte. Donc lui aussi, président américain, élu juste avant la guerre de sécession. En fait, il veut abolir l'esclavage qui va diviser le nord et le sud des États-Unis américains de l'époque. Il sera assassiné plus tard. Donc on lui est reconnaissable à sa petite barbichette et surtout son chapeau haute forme. Voilà. Ensuite on a Oncle Sam. Donc c'est surtout le logo qui est utilisé par l'armée. D'ailleurs c'est ce qui est repris. I want you for US Army. Nous voulons. Je vous veux pour l'armée américaine, c'était la propagande de l'époque. Donc le petit dessin. Et donc là, et le dessus de la boîte. Donc en fait, il s'appelle Oncle Sam, c'est les Américains qui l'ont appelé comme ça parce que sur les boîtes qu'il recevait le ravitaillement, il y avait écrit From US Army. Donc. US est devenu Oncle Sam. Donc voilà, il a la tenue, la petite barbichette, le chapeau haute forme avec les étoiles, le pantalon à rayures qui représente les premiers États américains. Et donc il pointe du doigt pour bien signifier qu'il veut de nous. Et pour finir, on a Benjamin Franklin, inventeur, donc voilà, avec son célèbre cerf-volant
où il a découvert que dans le tonnerre il y avait de l'électricité et que ça pouvait être utile. Voilà. Donc c'est pareil, là c'est pas mal. Et là, je trouve qu'il est vraiment bien représenté. Donc, on voit avec ses petites lunettes, le fil, la clé qui était pendue après le fil de la du cerf-volant. Et le cerf-volant donc avec tout pour attirer la foudre. Donc un peu chaud, il apparaît, on le voit apparaître dans des jeux aussi, je crois que c'est dans un Assassin's Creed, il apparaît. Donc voilà. Voilà pour les personnages marquants, les icônes de l'Amérique, de l'histoire américaine, vue par Fingopop. Écoutez, si vous avez des questions, des commentaires, surtout n'hésitez pas. Merci à vous, ciao!